Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 dans lequel nous jouons l'empereur Tiob, empereur de l'Empire français. Alors, arranger un mariage entre Salem Bohème et la reine mère de Germanie. Risque de consanguinité. Et des revendications sur quoi, lui? Sur un seul comté? Non. On va pas envoyer la proposition. Alors, et si on allait récupérer notre dernier territoire en Islande? Quand même. Négocier des alliances, ça m'intéresse pas. Il a quoi lui? Quelques duchés. Oui. Pas de risque de consanguinité. J'aimerais bien un mariage matrilinéaire, mais. Ah merde, c'était mon échanson. Hop, ce sera toi. Alors. Oui, on avait récupéré la Bavière, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On avait récupéré quelques territoires, mon petit-fils. On pourra même lui récupérer l'entièreté du royaume de Germanie, normalement, bientôt. Alors, j'ai aussi un petit souci, c'est que l'opinion populaire est très basse. La tendresse. C'est une bonne question. Je dirais la passion. Je vois au pif. Ça a marché. J'ai quel âge moi? 117 ans, allez. Je m'en fous un peu après, je t'avoue que là, je vais traîner. Ah! Ah ouais, je l'ai fumé là. N'hésite pas à revenir jouer un jour si tu veux. Ah oui, c'était pas prévu de... Ah! Oh, ça a marché! Ah, ça a marché! Le pape de... Ah putain, il est mon conseiller. Le pape, mon conseiller, putain. Ah, ça me met bien. Et lui, s'il me fabrique une revendication, je peux te dire, hein. Ah la vache. Je peux convertir un comté.
Insulaire. Attends, mais ils sont tous... Waouh. Comme ça, ils sont moins arabes ici. Pourtant, il n'y a pas de... Après, c'est le temps que ça fasse le basculement, je suppose, quoi, mais... Non, c'est pas une revendication, c'est ça. Après, là, je comprends qu'ils sont... Qu'ils soient d'une autre foi, parce qu'on les a... On les a conquis il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas moyen de voir justement à quel point ils sont... Ah ouais non. Ah ouais, je peux pas voir où on en est dans la conversion, c'est dommage. En tout cas, je suis content, le pape et mon courtisan. Alors, qu'est-ce que tu me... Peut-être soit... Ouais, non, c'est nul. Ok. Allez, on va aller récupérer ça. Une petite vassalisation forcée. Et donc, c'est long. Sur cette soixantaine de jours, en même temps tu m'étonnes, on est perdu là dans... sur une île, la mer du Nord. Il y a pas le... pas avoir le nom de la de mer... Bah là si, 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 si. Mer du Nord, fly. Côte islandaise. Mare Inconium, Inconitum, pardon. Mer Celtique. Ah c'est marrant ça, tout ça c'est la mer Celtique. Atlantique. Mare Inconium. Atlantique. Mare Inconium. Ok. Allez, retournons là. Où ça tourne? Oula. Bon, ça devrait y gagner tranquillement. Moi pendant ce temps-là. Je suis en train d'apprendre le la langue du grand chef Erdeni et de courtiser, de séduire Moruit Cerno, Cerneux. Ok, j'en ai capturé un. On va faire le siège. Tranquilo bilou. Monseigneur, il a porté un maison que la place dans mon domaine. Ma vassale, la duchesse de Bourgogne, met la main sur le cœur si vous en construisez un. Comment ça, j'ai de la place sur mon domaine, j'en ai fait je sais pas combien. Je suis même, en vrai, en plus, je suis même pas sûr d'avoir de la place. Ah, si. Ouais, non, mais. Putain, j'ai une place, quoi. Me fais pas. Hein. Sérieusement. J'ai vraiment une place sur tout. Ah. Ah, ta 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 ta. Yes. Ah, fais chier, c'est pas ma culture. Chier, c'est vraiment pas ma culture. Ah merde.
Vas-y, on va s'essayer quelque chose. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Promouvoir la culture, l'acceptation, non. Ça mettrait combien de temps? 8 ans. On va essayer. J'aimerais bien, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien faire une petite église, un petit truc comme ça. Mur et tour, ouais, je vais en avoir besoin ici. On va voir ce que ça donne. Du royaume des plantes. Pardon? J'ai une revendication sur un petit royaume. Je prends. Un petit royaume. Mais donne mon ami, donne. Donne toutes les revendications que tu as sur des petits royaumes. je veux pas dire non, regardez. J'ai pas de casus belli. Oui, une faible faveur. Sur ma pupille. Ah, c'est ma petite fille. Oui, y a pas de problème. Alors je disais, on a des revendications nous là-dessus, hein, je crois, non? Ah, mais c'est, j'ai oublié que effectivement, vu que je suis déjà en train de conquérir là-bas, va marcher. Maintenant ou jamais. Je tente de séduire Maurice. Et voilà, j'ai une amante. Et alors là, ce qui est magnifique, c'est que... ça c'est parfait pour le let's play. C'est que... j'ai beau être un vieux croulant de 117 ans, j'arrive à séduire une jeune fille. Une jeune femme. Attention. Qui a 100 ans de moins que moi. Et soit dit en passant, couche avec. Mais bon... c'est un peu plus dégueulasse. Mais... c'est mon amante. J'ai 117 ans. Je me suis fait une petite de 17 ans. 100 ans de moins. Oh, pardon. Non, mais ça, c'est vraiment rajouté dans le let's play. C'est trop. C'est trop. Hop là. On a l'ensemble du de l'Islande. Ah, tu es catholique, parfait. On a l'ensemble de l'Islande, on va le transférer au duc. Mais c'est pas magnifique. Bon, et maintenant, il faut vraiment stabiliser. Là, trêve de plaisanterie. Ils sont vraiment pas contents. Guerre offensive, moins 78. Fornicateur. C'est bon. Ils sont pas très très contents, je le conçois. Tire papal qui est abîmé? Non. J'ai appris le Baltique en plus, parfait. Ouais, bah forcément. On lui fait des contrats. Encore lui. C'est ouf. Non, ça c'est pas le même. Roi Adrien de Bourgogne, partition obligatoire. Romano de Frise, on a partition obligatoire. Ça c'est bien. Ouais. Je vais voir un truc, Roi Simon de Sicile. Okay. Colérique. Néo-réinteraction, punir le criminel. Ça peut être sympa ça. Bon,
J'ai des trucs. Mais non, mais je m'en fous de tout ça. Votre fille, votre vieille ennemie. Sur ne pas vous apprécier après 6 mois. Alors on est à moins 76, je veux voir si on descend. On n'est pas à moins 80 et des poussières à un moment? Faut que je me souvienne du moins 76. Un secret dévoilé. Avec ma petite fille en maison avec. Ces questions ne sont que mensonges et malveillantes. Laissez ma petite fille tranquille. Du 118 ans. Aïe aïe aïe. Attention, bon. Ça va devenir. En droite ici, il a quoi? Ouais, il a ça. Il a cette terre. Pas grand chose en terre en vrai. Je sais pas trop ce que je veux perdre, c'est surtout ça moi, mon problème. C'est que j'ai jamais fait une partie après à la mort d'un premier dirigeant, et ça va être une première pour le coup. Et là, titre perdu à la succession, mais j'aimerais bien savoir lequel. Empire français, aïe aïe. Alors que je vois les hommes, j'ai mis mon ami par mauvais sentiment. Quelque chose m'observe. Êtes-vous prêt à embrasser la vérité, Job? Je me redresse, puis soudain, complètement réveillé, je cherche d'où provient cette voix inconnue de femme. Mais il n'y a que des ombres. La bénédiction de Dieu cornu est-elle propre. Vous est proposée, l'acceptez-vous? De tout mon cœur! Ça peut me faire vivre plus longtemps, je dirais pas non. Par contre, j'en perdais. Bon, ça après. Empire de Grande-Bretagne. C'est-à-dire que là, je vais perdre l'Empire hispanique, l'Empire. Faudrait que j'arrive à tout prendre en fait, mais. Est-ce que un titre comme ça, je peux. Je vais l'accorder à. Est-ce que je peux l'accorder en vrai? Je vais essayer de l'accorder au roi Simon. Je sais pas si je fais bien. Je sais pas si je vais bien du tout. Roi Simon, roi Simon, roi Simon. Bah, il est où? Nasty? Unio? Attends, comment ça? Bah ouais, mais alors je peux pas. Non, bah je peux pas. Dommage. Je me suis dit que je pourrais lui en redonner, mais apparemment j'ai pas le droit. L'Empire d'Espagne. Je peux vraiment pas le donner au roi Simon, ça non plus. Ah, parce qu'il a pas de terre dedans, je suppose. Ça me paraît logique, il a pas de terre à cet endroit, donc pourquoi il aurait droit à des successions? Ouais, impressionnant. 118 ans.
Les gamins, il en a plus beaucoup. Hein. Je peux vous dire que là, sa plus jeune gamine, elle a 20, 28 ans. Son plus vieux est né il y a... Il y a... Oh la vache. Il y a 100 ans pile. Son gamin Damien est né il y a 100 ans. Et il est mort il y a 46 ans. Non, ça met bien ça. Exiger des paiements. Non, je m'en fous. Alors, ah oui, peut-être ça. André Tardenne. Non. Irlande. On est déjà en partition. Lotharingie, on est déjà en partition. Bourgogne, on est déjà en partition. Lui, c'est mon héritier, donc j'évite. Et lui. Ok. J'étais à moins 74, bah non, on dirait que c'est toujours pareil, moins 74. Oui. Alors, peut-être que ça baisse tous les ans. Ou tous les 6 mois, c'était un truc comme ça, non? J'avais pas un truc à... Ouais, ici, j'ai un truc à construire, c'est... Ah, ok, 2 ans restants. Là on est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Là aussi. Ah! Là aussi ça fait ok. Là on est bon. Là on est bon, ok. C'est vrai que le mieux ça aurait été quand même l'Île-de-France hein, qui est très grande. Mais bon, je peux plus la choper. C'était pas pratique, c'était... Moi, je récupère ça et que je le donne au royaume d'Elba. Ça va foutre la merde, ça. Toi, tu vas me... Attends, quoi? Non, contre la révolte paysanne. Non, je m'en fous. Toi, je vais te reprendre ça. Le comté de... Auxerre, ça. Madame Son, acte de tyrannie, c'est pas très très grave. Secret dévoilé. Aïe aïe aïe. Déjà que j'ai pas beaucoup de gamins. Prince Tchob de France. Qui est pas marié. Oula! Ça forcément, ça c'est une de mes... Oh non, c'est même pas une de mes héritières. Vif, joli, robuste, fécond. Oh. C'est bien une de mes héritières. Elle a parenté, ouais. On va dire, c'est pas... Là... C'est une génération assez lointaine, mais ça reste apparenté quand même. Ouais, si, ça peut être pas mal, ça. Putain, ils sont apparentés aussi. La vache, mais en fait, c'est trop le bordel et trop de risques de consanguinité là-dedans. Souf. J'ai Paul. Royaume de Alba. C'est pareil, ça va être... Et puis je repars tout en haut. Oh, on va te marier avec une gueuse, hein. Intelligente. Allez, tu vas aller là. Habité d'engendrer basse. Ah, elle est chaste. Ouais. C'est pareil, on va pas y arriver, hein. Faudrait un trait de personnalité... C'est où ça déjà? On était en danse, intrigue, érudition, prouesse. T'as les aptitudes.
tel. Social, colérique, vindicatif. Allez hop, putain. Elle est très intelligente. Une génie. Pas mieux de trouver. Elle est pas chaste. C'est déjà pas mal. Voilà. Une bonne dynastie. Je peux pas le refiler ça là. Parce que bon. Je viens de l'avoir pris mais on va l'accorder. Oh mais attends. Ah oui sinon d'accord. Accorder à... C'est des Galliques. Je sais plus ce que c'est. C'est Gallique, ouais. Ah merde, j'en ai vu un. Lui. Oui. Voilà. On va essayer de gérer le royaume comme on peut. Là, on lui transfère. Ça évitera les querelles inutiles. Donc, par exemple, là, j'ai le royaume d'Irlande. Là, j'ai le royaume d'Italie. Pareil, le royaume d'Italie qui est partout. Ça c'est fou. Au moins que je le garde d'Irlande, mais... Mais comment ça se fait qu'il est... Le duché. Par contre, la sorcellerie, ça fait quoi en vrai? J'espère que ça peut m'apporter un petit truc, mais je sais pas du tout quoi. Oh la vache. 22 sur 24. Ah oui quand même. Il est très très... Il est multilingue, hein. Vraiment c'est... Continuons à en apprendre, hein. C'est bien de faire fonctionner le cerveau. Est-ce que je peux apprendre une des langues... Pas trop connues, trop loin. Apprendre la langue. On va apprendre l'arménien. D'accord, alors toi. Militaire, on va lever les troupes locales. Ah mais c'est trop loin. Ah, c'est moche, hein. C'est qu'il est vraiment très loin. Non, il est trop loin et puis le pillage est terminé en plus. Il va trop vite. Je peux rien faire. Désolé. Beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. On ira se venger. Il s'agit de qui? Du Danemark. On ira se venger du Danemark. Pas de casus belli. Ah oui, il y avait un truc là. Mes revendications, il y avait deux petits royaumes. C'est le bordel en Germanie encore. Hein. Contre la tyrannie du roi. Bon, il s'est barré. Non, la question, c'est est-ce qu'il va revenir, mais plutôt au niveau de la frise ou pas. Ça a pas l'air. Ok. Ça.
prisonnier. Ah oui, mais lui, je crois qu'il a fait de la merde. Je crois qu'il a fait sacrément de la merde. Depuis 16 ans, sous ça. Oh là là. Prison depuis 16 ans. Je vais pas le relâcher au bout d'un moment, quand même. Il y a un redoutabilité. Bon, c'était vœu, toi. Tiens, le trémoine. Voilà, tiens. Hop, putain. Oui. Prenez donc le lieu, cornu. Allez, prononcez tous vos voeux, là. Oh. Attends, c'est qu'elle a de sacrées revendications, elle. On va décompter pour. Oh, hop, hop, ouais, je peux pas. Alors, réclamer un peu d'or, on va jamais dire non à ça. On va alors très rarement. Toi dehors. Quoique, je sais pas ce que t'as fait. Tout cela, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Eux, l'autre là, 16 ans, au bout de 16 ans, il est quand même sorti de tôle. Hein. C'est Alors. Un très bon livre comme artefact. Très bon livre. Faire de l'argent de l'empereur Tiob. Ah d'accord, ok. Non, ça me va, ça me va. Plus d'expérience en mode de vie intendance. Ah là, ça me donne un petit bonus de santé, je vais pas dire non. On va changer les deux. Très joli poème. J'ai pas de stress, pas besoin de... Alors, il me fallait faire... Voilà. Ah mais là c'est beau quand même. 10 de prestige, plus 10... Ah j'ai pas de renommée. Non mais c'est pas grave. On va laisser le livre là. Encore ? Non mais ça vient de se faire piller, tu peux pas piller encore une fois, hein, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Au bout d'un moment. Travailleur motivé, formation formée. Action formée contre vous. Mécontentement, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1%, oh. Attention. Bon par contre, une fois que ça aura changé de souverain, ce sera une autre histoire. Rome de Sardaigne. Il se tire la bourre avec celui d'Italie, c'est ça? Qu'est-ce que je recherche? Seigneurie. Bon, j'y pense, c'est peut-être pas la meilleure... la loi partition. Ouais, mais je l'ai déjà. C'est quoi la différence entre ça? Ah non, ça crée pas de titre. Dans tous les cas, il me faudrait la primogéniture.
Ok, j'ai appris ma 23e langue. Même l'ultimogéniture, tu vois, je préfère presque celle-là. Le Seigneuria aussi. Mais... Franchement, je préfère limite le Seigneuria. Hein. Faut table des princes, table des princes. C'est Moyen-Âge classique, même pas. Degré dévoilé, royaume de Sardaigne. Oh, ah, c'est dans le Moyen-Âge tardif, vraiment? C'est-à-dire de 1200? J'ai dû louper la table des princes. Hein. Attends, 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 attends. Ah. Oh merde, c'est où? Attends, je suis pas fou non plus. Air tribal. Attendez. Air tribal, je vois pas table des princes dans l'air tribal. Est-ce que j'étais dans le mot? Mode, voilà, caserne, viens ensemble, bien, trop public, viens, on va dans mon bon racard, on regarde, non, mais y'a pas, hein. Je sais pas, je sais pas ce qui me. Non disponible en français. Ok, ultimogéniture. Pas primogéniture. Non disponible en français. Ah ouais, d'accord. Attends, oh. Attends, il me faut. Ah, non, ok, donc primogéniture et primogéniture. Bon, ça, je suppose que c'est quelque part là-bas. Hein. Pas très loin. Ouais. Ah, je vois pas avant 1200. Hein. C'est moche. Ok, j'ai perdu un conseiller. Ah mon maréchal. Ah en plus il était bon le salaud. Bah toi parce que tu as beaucoup 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 d'aptitudes martiales. Ensuite. Sorcier. T'inquiète. Ouais, 120 ans. Je sais pas ce que ça va devenir mon royaume, hein. Enfin, mon empire. Aïe 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 aïe. Là, j'ai envie de stabiliser mon... Chancelier a été échoué. Ça arrive, ça arrive. Donc ça restera. Voyons voir. Oui. Ah oui, je suis passé de 74 à 62. Ça c'est bien. Ça stabilise tout ça. Bon là, ils vont pas être contents du tout parce que ils se sont fait piller en plus. Donc autant dire.
Ah c'est... Bah j'ai... Ouais, c'est ballot ça. T'as perdu mon enfant. Fin des études. Rien stratège, défenseur inflexible et princesse de l'Empire byzantin. Tiens d'ailleurs. Y'a pas un truc à checker dans l'Empire byzantin là, elle est bien l'héritière. Hein. Non. Il a 72 ans. Oh. Mon petit-fils. Ah merde. Putain, j'ai tout fait pour que ce soit elle qui prenne l'héritage, mais... Je vais proposer une tutelle. Moi. Convertir à la culture, convertir à la foi. Je vais tout donner. Voilà, sur le vieil âge, il faut absolument tout donner, mon ami. Allez, 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 allez. Allez. J'ai bien envie de tutorer. Hémophile. Non. Mais j'ai pas dit oui! Mais du coup. Ah merde, putain, il est hémophile en plus. Oh le con. Bon, j'ai moins de probabilité d'hériter. De ses problèmes, donc ça va, mais ah merde, pas voulu. Bon, le duché d'Islande il est propre, le royaume d'Alba il est propre. Il faudrait que je le dissoute, ce royaume de mort, même pourri. Hein. Bon, élection, ouais, en plus, c'est comme ça. Oh. J'ai pas moyen de dissoudre, dommage, reviens dans sa main. Et puis, d'origine Polam. Hein? Tu sais, il m'attire papa là, même pas de mon épée. Pardon? Bah non, déconne pas. Ah, donc je peux pas changer un titre. Révoquer. Attends. Révoquer son titre de roi là. Ah non mais d'accord, non, c'est juste que le. Ouais d'accord. Le royaume du Danelaw, il devrait être un peu plus grand. C'est que... Attends... Attends, le royaume d'Angleterre il est immense. Ah non, c'est le royaume d'Angleterre qui devrait être plus petit. Oh, ok. Vous pouvez créer le duché de Bavière. Ah ouais. Ah, mais attends, c'était pas à moi ça. Si. C'est à moi ça. Pourquoi d'un coup je peux créer le duché de Bavière? Je vais l'accorder de toute façon, j'ai pas trop le choix. Lui là. De toute façon, il. Oula, 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 oula. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. De toute façon, il a partition B. La partition obligatoire, on est d'accord lui. Modifier le titre vassalique. Oh, il a partition obligatoire. Ok, bon, c'est pas un problème. Voir les données, il va bientôt mourir. Accorder des titres, duché de Bavière. Okay. Ça le rend ça un contrat avec moi, mais c'est peu contraignant.
Ben non, il est normal. Enfin, normal, normal, partition obligatoire. Non, je vois pas de problème. Aucun souci là. J'en étais où? Ma fille. Je dois en être sûr. Découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. J'ai jamais découvert quoi que ce soit jusque-là. Hein. Donc c'est que ça doit pas changer. Oh la vache! Oh la vache! Monise de l'esprit capricieux de Saint-Nicolas. Ma cité et moi avons été condamnés à mourir dans cette misérable tempête. La résolution d'une question triviale dans le village local a transformé un voyage par temps clair, mais traversé dans l'obscurité totale sous une pluie battante avec les rafales de vent occasionnelles. Nous ne trouvons pas rapidement un abri. Je crois l'humidité mettre fin à nos jours aussi aisément qu'une lame le ferait. J'ai 40. Ah la vache, dans un cas j'ai 80% de probabilité d'y passer, et dans l'autre cas 40% de probabilité d'y passer. Oh non! Oh mince! Ah c'est pas bon, ça pue! Vous le sentez venir là, l'odeur de la mort? J'ai déjà échappé maintes fois à son courroux. J'ai déjà échappé maintes fois à sa lame. Vais-je réussir à échapper? Une fois de plus, à l'appel de la faucheuse. Oui, je suis épargné pour l'instant. Bon, par contre, j'ai perdu mon grand écuyer, le pauvre. Lui, il s'est fait faucher. Hein. Allez, Guichard, viens, viens vite. J'ai besoin de toi. Oui, faisons une partie de tablier passionnant pendant que je suis en train de mourir dans une grotte pleine d'humidité et tout le bazar. En érudition, je suis pas trop mauvais. Je suis le favori de Dieu. T'as 72 ans, t'as presque la moitié de mon âge, qu'est-ce que tu crois? Un petit coup en attendance? Allez, honnêtement, mes adversaires, je suis plus impressionné. C'est aussi bien. Adversaire que je... Un esprit subtil pour jouer au tablier. Nous sommes au coude à coude. Je vous redis que jouer au tablier nous apprendra beaucoup de choses sur la gestion d'un pays, fortifier mon adversaire et vice versa naturellement. En attendance. Ah, j'ai perdu, dommage. Bien joué. Ah, tu deviens mon ami? Fais gaffe, mes amis, ils ont une tendance à mourir très jeune. C'est étrange. Beaucoup. Pour le coup, sans le faire exprès. Là. On va poser une tutelle pour me sorcellerie. Non, je vais pas le convertir à sorcellerie. Bon. J'ai réussi à me sortir d'une grotte, d'un endroit sombre et humide. Dit comme ça, c'est bizarre. 59, ça a encore baissé. Très bien. Là, il faut vraiment stabiliser 121. Hein. Oh, vache. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir encore longtemps? Je ne sais pas. Pour rappel, je suis né en 850. Et nous sommes bientôt en an 1000. Oh merde! Ça me fume, j'adore. Bon, je voyais mes histoires de succession. Merde. Putain, je perds 6 titres. C'est quoi ça? Empire. Ah putain, empire de grande montagne. Ajouter des lois. Élection féodale. On va ajouter la loi d'élection féodale. Tous les dirigeants des zones. Hein. On va s'essayer de ça avec l'empire de grande Bretagne.
Vous n'avez pas voté. Je vais voter, moi, je vais voter pour. Bah, le prince Tube de Sicile. Hein. Non, c'est pas lui. Il est où, il est où? Mon héritier, là. Comment il s'appelle déjà? Peut-être par roi Simon de Sicile. Peut-être commencer par là. Ah ouais, mais non, mais ça va être que les locaux, c'est ça? Ah merde. Bah non, même pas. Roi. Roi. Je l'ai pas vu. Allez, on va refaire. Roi Simon. Je vote pour le roi Simon. Score de ce candidat. Oui, ok, d'abord, oui. Ok, candidat. Oh la vache. Soutien roi Simon. Soutien. Non, je m'en fous. Toi, je vais lui forcer le vote. J'ai utilisé l'hameçon que j'ai contre lui. Et normalement, il devrait gagner, hein. Élection en cours. Ah, ça dure combien de temps, ça? C'est vrai que s'il pouvait choper la Grande-Bretagne, il serait déjà impouillable. Pardon, il a 46 ans? Putain, je l'ai laissé une vingtaine d'années, lui. Oh, merde. Ma petite fille a été faite prisonnière. Qui ça? Céline. Nick, Noémie de Unio. Bah, quoi? Comment ça, elle a deux prénoms, elle? Ah oui, ça devait être sa mère. Ah non, même pas. Bon, j'en sais rien. Ouais, bon, l'élection en cours, elle est bientôt finie ou... Ça va durer un temps, on va voir. Bonjour, bonjour, bonjour. Toujours pas ici, c'est dommage. Hop, on va faire murer les tours. Bon, contre les pillages. Je peux toujours pas faire propriété. Ici, je peux rien faire, quoi. Ça développe bien, Dieppe. Ouais, secret dévoilé. Non, il n'y a pas de problème, mon parent, ma nuit. Tiens, Dieppe, vous voulez pas faire un petit port là? Oh non, la guilde. Merde. Oups. Ce sont des choses qui arrivent. On va faire un monastère à Coutances. On va développer le monastère de Coutances. Est un incroyant. Oh là. Là, tu vas te convertir. Est un sodomite. Ah. Oui. J'ai oublié. Totalement zappé. Totalement zappé. J'ai assassiné que 4 personnes, ça va. C'est si peu. Franchement. Je peux l'emprisonner. Ouais, on n'a pas tant que ça d'argent. Pas tant que ça d'or. Au vu du nombre d'intendances que j'ai en. Au vu de notre puissance d'intendance.
ça très très faible au contraire. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ouais, on va voir. Forgeron, point de milice. Pour les archers. Ils sont stationnés où mes archers? À Bayeux. J'ai un truc à Bayeux? Non, j'ai rien à Bayeux. Je vais les stationner là. Faire un... Alors. Camp de milice. Voilà. Les améliorera. Déviant. Rontoul. Bon, l'élection elle est toujours pas finie. C'est magnifique. Donc, un nouveau mode de vie en attendance. Troupe craintive. Pédagogie, meilleure martialité. Maintenant expérimenté. Ouais. Pas plus que ça. Bon, de toute façon, je vais devoir en recruter de temps en temps quand même. Toi, tu crois que t'es pas ouf. Yes. Bon, déjà, il y a une culture française. Ça, c'est bien. Maréchal, votre maréchal, votre maréchal, votre chevalier, chevalier. Votre invité. Pas mauvais en martialité, on va essayer de faire mieux. On le recrute à la cour. Il n'y a pas grand chose en martialité. Hein. Mais j'ai des contrats. Le roi d'Irlande. On va checker un tour comme d'hab. Oh! Ah mais non mais ça c'est mon héritier donc non. Ah, c'est bon. Ouais, bon, c'est normal, il est vieux. Grâce à votre vassal, le roi André, c'est parricide. Oh. C'était pas cool. Bon bah non, bah non. J'ai de l'emprisonner. Qu'est-ce que t'as foutu? Bah oui, t'es con au bout d'un moment, quoi. Par un... Notre arrière-petit-fils, Paul de Sardaigne, oh là là. Je vais révoquer son titre de royaume de Sardaigne, en utilisant l'hameçon. Ça fait rien du tout. Bro, t'es parricide. Au bout d'un moment, t'abuses de ta connerie aussi. C'est enfin, c'est chaud là. Ah. Putain. Il n'y a, aucune différence. On dira, c'est un homme sans faible. Non, non, je vais. Je vais le déshériter. Ah, alors, le coup en renommée, toi. Ouais, mais non, le coup en renommée est trop.
Modifier le titre vassalique. Voilà. Par contre, j'ai vu que je pouvais récupérer des royaumes de ci de là, ça m'intéresse. Alors ma question c'est, est-ce que je lui retire ça et je lui dis et je donne tout au royaume d'Angleterre, donc ça fait le royaume d'Angleterre Danelaw. Ça serait pas vraiment plus con. Voilà, je suis à 69 ans, la vache. Et toujours ivrogne? Ivrogne, irritable, reclos. Non, on est à quoi, c'est en vrai. Qu'est-ce qu'il ne brime pas? Tentative du meurtre du roi Simon. Oh mais non. Mais non, mais pas lui, pas toi, pas toi. Couillon. Te fais pas avoir. Ouais. Surtout qu'il est faible, il est faible. Ouais, et sinon, ça se termine un jour l'élection. Un truc, mettre fin à l'élection au bout d'un moment, quoi. Non, c'était le royaume d'Angleterre. C'est pas. Allez, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, on est dans une phase actuellement donc de stabilisation de nos terres. Et il va vraiment falloir, dans tous les cas. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Oula, oula, oula. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiom.